J'espère qu'on va réfléchir à résoudre ce problème avec le QR code. Et je le redis que vous allez avoir sur votre portable le texte de la conférence et en même temps sa traduction en italien, anglais et espagnol. C'est un grand honneur pour moi d'être présent aujourd'hui par ici pour cette belle vie culturelle. Je passais souvent la France à la Suisse et on passait par le tour de ce pays. Je ne connaissais pas cette vie. Et donc, je découvre une vie pleine de vie. Et je trouve l'accueil. Donc, Mme Martin-Luther, bien sûr, je vous accueille de la première pour ce fait de vous dire que la médiation que je découvre en même temps que cette ville a une association qui s'appelle Le Dévou, qui accueille les réfugiés. Et surtout les réfugiés qui viennent. Du Moyen-Orient, donc de mon côté. Pour moi, la situation dans laquelle vit le monde aujourd'hui, j'ai fait un texte que je décide de le lire, mais c'est pas. Je souhaite surtout vous transmettre des convictions que le monde ne peut changer. Que, au niveau de nouvelles consciences, c'est-à-dire faire l'effort ensemble de pouvoir accéder à un état de conscience différent de celui qui aujourd'hui est au centre de la gouvernance du monde. Que dire de l'état du monde aujourd'hui si on peut se confronter une mutation et un brassage spectaculaires. La mondialisation éprouve sa toile de son fil de tous les valeurs de l'humanité. Nous savons très bien où les valeurs sont de plus en plus baissent de nous et on se retrouve dans. C'est en apparence le rêve de la souveraineté et de l'uniformité et de la globalité. Nous mangeons quelque chose, nous habillons quelque chose, nous avons les mêmes informations, nous sommes dans une situation où nous nous ressemblons sans nous ressembler. Cette dynamique doit nous conduire vers l'unité. Elle devrait normalement nous conduire vers l'unité. Une vision partagée nous amène vers un monde binaire, dualiste et de plus en plus fracturé. L'Orient et l'Occident tendent à s'opposer. Nous y sommes de plus en plus les antagonistes. Les égaux aujourd'hui sont de plus en plus alimentés par une dynamique et on sent en venir cette force qui va peut-être fracasser le monde d'aujourd'hui. Une nouvelle approche s'impose. Comment trouver les remèdes et les solutions aux problèmes que nous constatons individuellement et collectivement liés à la situation inquiétante que nous traversons. Il faut aujourd'hui répondre
à ce but. Ce constat nous interpelle au plus profond de nous-mêmes et nous rappelle qu'être humain est avant tout un espace conscience. Ce qui, cet état de conscience qui se situe au-delà de l'appartenance à une communauté, à une religion, à une culture, à une couleur de peau. Nous nous rendons confusément compte que nous avons tous impérativement besoin d'une nouvelle conscience pour faire face au défi planétaire qui se présente à nous, qu'il soit social, politique, écologique, climatique ou spirituel. Donc, encore une fois, nous sommes à une bonne conscience radicale, je dirais, à la fois de la fin de l'époque et peut-être d'une nouvelle époque. Donc, elle nous impose une nouvelle vision s'impose pour ouvrir donc un espace où l'autre a le droit à sa place et à sa dignité. Elle seule peut nous conduire vers une remise en question de nos systèmes, du but que nous donnons à nos vies et à notre façon d'être pour vivre et prospérer. Notre société a besoin d'une vision partagée, d'un dénominateur commun qui lui montre à travers un lien porteur de sens et de cohésion. Ainsi, chacun peut prendre conscience qui est membre d'un même corps et que tout en agissant pour le bien commun, il agit pour son corps et bien. Comme la cellule dans le corps d'un être qui participe à la vie et à la vie et à la santé du corps biologique. Sortir de notre inconscience est un facteur clé pour atteindre la paix. La paix commence avec soi, avec l'autre et le reste du monde. Le système vivant qui s'étend aux végétales, aux animaux, aux insectes, à tout ce qui vit, tout ce qui vit au vivant, en affirmant le choix de notre interdépendance parce que il a des liens. Nous avons des liens entre nous en tant qu'êtres humains, nous avons des liens avec la terre, nous avons des liens avec les végétaux, nous avons des liens avec les animaux. Mais l'homme est devenu aujourd'hui un problème pour notre vie. Nous pouvons agir de manière plus éthique et plus respectueuse, favorisant ainsi la justice, l'égalité et la coopération. Cet effort impératif doit contribuer à réduire les tensions qui ne vont que contenter les conflits et les violences. Il devient un livre, cette nouvelle conscience devient un livre vertueux, universel pour promouvoir des décisions capitales qui préservent l'humanité des jeunes générations, tout en nous reconciliant les uns avec les autres. Pour atteindre cet état durable, il faut réfléchir aux conséquences de nos choix individuels et collectifs, et aller vers des changements de comportement, de mentalité et de politique à différents niveaux. De plus, de local jusqu'au global, chacun de nous doit faire des efforts sur soi-même, dans son voisinage, dans sa vie, dans son pays et à travers la terre tout entière. Sortir de la culture du jeu pour aller vers la culture du monde. Ça, ça paraît simple, mais c'est à la fois important et difficile à réaliser, sortir du jeu de droit égoïste
Souvent, il y a un mot qui rassemble, qui est donc la synergie. C'est là que l'éducation à la culture européenne, l'innovance entre en jeu pour la naissance de cette nouvelle fonction en mettant la paix au cœur de l'éducation. C'est là la clé. C'est l'éducation et l'éducation. Vive la jeunesse, ceux qui s'intègrent dans la conscience de l'autre, qui puissent dire notre pays, il faut dire mon pays, ça change totalement la conscience de l'être. Dire ma vie et notre vie, c'est différent pour un enfant parce qu'il grandit dans un espace élargi, beaucoup plus grand. Et nous, au contraire, nous faisons de nos enfants pour qu'ils comprennent de nous-mêmes. Notre jeu, nous le transmettons au mieux de leur donner la possibilité de se comprendre. L'acte constitutif de l'UNESCO, le 16 septembre 1945 à Londres, des hommes. Et c'est dans l'esprit des hommes que doit être élevé les défenses de la vie. Et l'esprit des hommes commence avec nos enfants. Comme siège de notre bien-être, la conscience peut favoriser l'empathie, la tolérance, la coopération, l'économie de paix. Et nous avons quelqu'un qui demain va nous parler de cette économie de paix. Un spécialiste. La prise en compte de la complexité, de la diversité des réalités sociales, culturelles et politiques permet de mieux comprendre les enjeux qui se posent à la construction d'une culture qui encourage l'engagement citoyen et la participation active à un vivre ensemble dans des sociétés plus faciles et plus justes. Nous avons besoin de distinguer ce qu'il y a en nous inscrit dans la culture, parce que nous sommes que des êtres avec un point de vue. Nous avons une date de naissance et nous aurons sans aucun doute une date de mort, une date de décès. Donc nous sommes inscrits dans la culture. Par quoi chacun de nous va laisser une trace de sa propre existence. La vie, nous l'avons aussi comme un don. Nous n'avons pas demandé, aucun de nos hommes ou femmes n'a demandé la vie. Il l'a comme un don. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette vie? Qu'est-ce qu'on va laisser après nous? Et ça, c'est la chose la plus importante. D'autant plus que chacun de nous est lié à sa propre mère. Que chacun regarde son nombril. Il y a là une face indélébile au milieu de son ventre, qui lui dit qu'il vient de quelque part. Il est lié à sa mère. Et sa mère est liée à sa mère. Et ainsi de suite jusqu'à la vie. Chacun de nous porte en lui-même tout le monde. Donc, si cette nouvelle conscience, c'est tout en s'enracinant dans une conscience, elle s'enracine dans une conscience universelle. À partir de moi, je remonte. Et je vois que je suis lié à une multitude de personnes, certaines que je connais et d'autres que je ne connais pas depuis la vie des parents. Elle nous permet aussi de réaliser notre appartenance à un univers et de nous lier de manière responsable au reste du vivant, afin de construire la civilisation de l'univers. Dans le futur, aucun pays, aucune nation ne peut à lui seul résoudre les problèmes et les difficultés. Le réchauffement climatique, les pollutions, la surpopulation, le problème de l'eau. Je reviens à l'équipe, lors de la Méditerranée, il n'y a pas de climat. Il ne peut rien répondre, ni le Maroc,
van God hoor. Dat ik de rest, de kapot zal maken. Donc, la crise que traverse notre époque nous place dans une urgence qui ne peut être niée. Personne ne peut mesurer les effets dévastateurs qu'elle peut susciter aujourd'hui et encore pire pour les générations à venir. Il est bon de rétablir le rôle de la démocratie. Et c'est là où la médiation devient, je dirais pour moi, une clé salvatrice, un moyen formidable de pouvoir reconstruire, retravailler, recréer des liens afin que une nouvelle humanité puisse s'exprimer, dialoguer et régler ses problèmes au lieu de passer. Donc, personne ne peut mesurer les idées dévastateurs qu'elle peut susciter. Cette crise est aujourd'hui encore pire pour les générations à venir. Il est temps de rétablir le rôle de la médiation, qu'elle soit préventive au départ de la crise, pour susciter l'espoir, créer la confiance et rétablir les liens afin que les membres d'une communauté puissent travailler ensemble en synergie, générer des actions collectives pour renforcer la justice sociale, l'inclusion, la cohérence, ayant ainsi un climat favorable à la résolution pacifique. Former les médiateurs à la maîtrise de leur propre émotion, prévisible et des limites. Chacun a ses limites à la figure de la communauté. L'impératif pour qu'ils puissent, et impératif pour qu'ils puissent mieux comprendre les parties en commun. Favoriser la communication et la coopération entre les personnes en commun. Cette attitude doit les aider à rester attention, le médiateur ou la médiatrice et la directrice. Il est un vaste geste de solution créative, adapté aux besoins des parties selon le selon l'environnement de l'économie. Et je fais appel ici et à d'autres, et je leur demande de nous rejoindre. Où sont celles et ceux qui peuvent, par amour, et librement répondre à cet affront. Ceux et celles qui portent en eux ce message de réconciliation par l'altérité et des règles sanitaires qui permettent de faire de l'adversaire un logique. Et ça, c'est un lettre qui est un jour, quelqu'un qui a posé une question. Comment faire avec les ennemis? Comment faire avec les adversaires? Il y a le meilleur moyen de rétablir des liens, c'est d'être votre adversaire à l'associé. Il dévoquera ses intérêts et les mots. Donc, comment transformer l'adversité entre nous en associé, en coopération, en amitié? Pas en fraternité, parce que nous sommes des gens, mais nous sommes tous simplement par la guerre. Parce qu'on a intérêt à s'associer pour gagner beaucoup mieux. Et renouer avec la chaleur de la mélodie, du chant, source de vie, que la terre a fait sur Dieu. Parce que c'est la terre vit, la terre vit. Nous voyons que la terre, c'est des arbres, c'est des rochers, c'est des pierres, mais la terre est vivante. Et elle porte la vie. Les oiseaux chantent, le vent, la pluie, tout sur cette terre, c'est un paradis. Nous cherchons le paradis, et nous souhaitons qu'après le moment, on va au paradis, mais on oublie qu'on vit dans une terre qui est une oasis de vie
et un pari, et l'autre un pari pour sûr de la valeur qu'il a. Il appartient aux femmes et aux hommes clairvoyants et sages de remplir le vide dans ce que nous sommes, dans ce but médiant, et de tisser le vêtement de l'entente pour guérir les maux de ce siècle. Et un sage de chez nous, de chez Carmen, un sage du 9e siècle disait: la maladie est en toi, et tu ne vois rien. Le remède ne peut venir que de toi, et tu n'en sais rien. Tu crois que tu n'es rien de plus qu'un corps minuscule, alors pour toi se trouve le macrocosme avec une magie. Les chocs que nous vivons sont parfois salutaires. Tout nous pousse à unir nos efforts et prendre le chemin qui reconstitue notre belle planète avec ses habitants. C'est un devoir sacré pour nous tous et nous ne pouvons fuir cette responsabilité. L'être, nos savoirs, nos avoirs, nos connaissances et notre technologie en synergie au service du bien commun. Agissons ensemble pour la paix, le vivre ensemble, la justice et la dignité, chacun de nous les victimes d'un même corps qui s'appelle humanité. Je vous remercie. Thank you.
جميلة دي الخمسون. En tout cas, merci de ce discours que vous avez fait assez pour les jeunes. Mais dire, c'est comment c'est venu, comment c'est. Voilà, j'ai envie de dire comment c'est venu en vous d'avoir cette idée de proposer, cette idée d'aller au niveau mondial. Comment c'est arrivé? Une demande facile. C'est une longue histoire. Et je ne suis pas trop. Donc, ça me fait un peu ce terme de travail qui nous a amené, qui m'a amené à voyager dans beaucoup de pays, à rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de pays, beaucoup de centres politiques, et beaucoup de voyages aussi auprès des nations unies, parce que pour la constitution de l'ONU, auprès de Microsoft et vous avez le droit de proposer des choses. Et ce qui me paraissait le plus noble à proposer, c'est du CRP, ce que retourne vers CRP. Et bon, la rencontre qui s'est faite à l'Istanbul en 2016, c'était le premier et le dernier. Il n'y a jamais eu depuis. Et cette proposition de la faire par le gagnant de la Sénégal au même siège. Et il y avait à peu près quelques 2500 ONG, complètement ONG, et je vous le dis, auprès de la société, il était représenté, il y beaucoup de monde, et ça a été voté à l'unanimité. On a fait un test, et à l'ensemble des origines, on levait la main et c'est passé là. Bon. Disons, dans le concept des nations, naturellement, il y a des gens capables de pouvoir porter cette résolution. À l'économie, une résolution. Comment faire pour que cette résolution puisse s'appliquer. Et ça a décidé beaucoup de rencontres avec les représentants de l'économie, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Ils nous ont dit, jamais, elle n'est pas ça. Faire ça dans le cadre de l'Italien ou africain, mais à l'échelle mondiale, c'est impossible. C'est impossible d'aller mieux au monde entier. Pourquoi? Parce qu'on avait choisi d'aller plus ensemble, à nous, de faire passer comme ce genre. Soit, vous savez, je vois. On va majorité. Si vous avez séconté un peu ça, votre résolution passe. Et il y a une autre façon de c'est à l'unanimité. Les deux pays ensemble. Et si on manque un, votre résolution tombe. Elle n'est pas ça. Si sur les 150 affaires, il y a un pays qui meurt, votre résolution ne passe pas. Et quand j'ai rencontré le ministre de il y avait un président des Nations Unies, parce que chaque ministre, il y a un président qui est pour les Nations Unies, et c'est lui qui ouvre l'Assemblée nationale de l'Assemblée générale. J'ai rencontré cette personne, et c'est lui qui prend, c'est lui qui prend la décision si il vous demande quel le choix de votre vote, que vous devez lui dire lequel. J'ai choisi l'unanimité. Il a dit ça ne passe pas pour c'est impossible. C'est impossible. Il y a eu quelques exceptions. Mais pour des choses beaucoup plus rares et beaucoup plus importantes. Vous n'aurez jamais eu l'unanimité de 180 pays pour une résolution concernant vivre ensemble en paix. J'ai dit bien que c'est vrai. Il m'a dit que vous jouez à la main de la plus. Vous savez, le jeu à la main de la plus, vous avez une balle dans le canon, et puis on tire si c'est pas la chance, c'est pour ça que c'est pas la plus. Et
La chose qui nous a sauvés, parce qu'en 2017, il y avait, en décembre 2017, il y avait une tension, une grande tension pour notre économie, et par exemple d'ailleurs, c'était, on était tous au bord de la guerre contre les États-Unis et la Corée. Il y avait cette menace, il y avait de la démocratie nucléaire, et les gens, les représentants n'étaient pas arrêtés dans un moment de crise patiente. Et c'est là que nous avons imaginé, donc, par un processus qui n'est pas très lent. Et on a vu ces pays qui nous avaient dit non, ça ne passera pas. Les premiers que nous, on nous a toujours dit, c'était qu'il fallait voter pour cette résolution. Donc, nous avons complètement changé. Et le 8 décembre, à l'unanimité, à vie, la résolution est passée. Ça a été une grande joie pour tous les participants. Et j'ai constaté, parce que j'ai constaté que en quelques secondes, en quelques minutes, c'était vraiment, c'était pas un pays qui avait donné, c'était l'humanité qui avait donné. Merci. Et pour le fond, nous voyons également de leur participation ce matin. Merci.